Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Ball Legends, c'est la fête, j'ai mis mon... Oups, pardon, de l'autre côté, mon pull Dragon Ball, incroyable, incroyable, juste pour l'occasion, on voit pas grand chose mais hop, incroyable, et du coup on est parti, c'est incroyable, donc là on a, réellement, oui je le dis tout le temps, on a Charlotte et SSJ, et on y est bientôt en fait, concrètement, donc on va un peu se dépêcher, parce qu'on n'est pas au niveau exactement où il y a Charlotte et SSJ, mais là je vous ai fait un résumé. Concrètement, Freezer s'est allié à Charlotte pour défoncer Thalès, finalement Thalès... était un traître techniquement. En réalité, tout ce qu'il voulait, c'était faire une alliance avec Freezer. Donc, il a fait une alliance avec Freezer et le docteur Gero. Ils ont fait une grosse guerre contre Charlotte, Vegeta et Nappa. Nappa s'est suicidé pour vaincre le commando Ginyu et il a réussi. C'est étonnant. Et là, Vegeta et Charlotte sont contre Freezer, tous les deux. Et donc, on va voir ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, voilà, Freezer se transforme de plus en plus. Ils avaient deux Senzu, ils viennent de les consommer. Donc, ils sont mis un gros Zenkai boost, mais. Ça va pas être suffisant, pardon, je skip un peu vite les dialogues. Mais concrètement, voilà, c'est Freezer qui dit vous êtes tous dans la merde. Et les autres qui sont en mode ok, merde. Donc évidemment on va avoir Charlotte et SSJ, pas à ce niveau là, c'est le niveau d'après si je me trompe pas. Voire d'après. Mais voilà, on va voir Charlotte et SSJ, en plus de ça Charlotte peut apprendre des techniques spéciales. Donc on va lui apprendre juste avant le niveau. Mais voilà, si je veux je peux lui apprendre le super Kamehameha de mon Goku maintenant, je crois bien. Donc c'est parfait, on a même... On verra ça pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à y aller. D'ailleurs, si ça vous plaît cette vidéo, je le dis maintenant, parce qu'il faut le dire normalement au début de la vidéo pour que ça marche mieux. Mettez un pouce bleu et partagez, c'est ce qui est le plus important, clairement. Parce que là, c'est la hype. Là, clairement, c'est la hype. Charlotte SSJ, Gogeta et Janemba qui sont sortis en même temps. Et une tenue Trunks pour Charlotte, vous allez voir ça. Parce que justement, je l'ai équipé sur moi. Hop, plaisir. Ok. Freezer qui défie encore un petit peu. Charlotte qui va être dans la merde, ok. Il ne se battra pas directement avec Charlotte parce que... Si déjà mon Goku fait aussi peu de dégâts, alors que mon Goku est pratiquement à 100% et qu'il est niveau 1500, on va avoir des problèmes. Heureusement, il faut juste baisser Freezer à 70%. Donc ça reste absolument faisable. Je baisse un tout petit peu mon son, voilà. Bon, Broly s'en sortira mieux. Même si Broly n'est pas à 100%, parce qu'il a l'avantage du type. Donc c'est excellent, voilà. Juste à baisser à 70% et après, on passe normalement au niveau où Charlotte deviendra Super Saiyan. Apparemment, il y a une cinématique et tout, c'est Erwan qui me l'a dit. Erwan... sur cette vidéo, j'en ferai une invocation justement, je vous le dis. Pour Gogeta et Janemba, j'ai claqué 30€ pour avoir 2000 pierres. Et en plus, avec tout ce que j'ai gagné grâce à l'histoire, on pourra avoir quasiment 3 multis plus les invocations du jour. Enfin bref, on se met bien. On se met bien. Donc voilà, revenez, ce sera sûrement un petit peu plus tard aujourd'hui, pour les invocations sur Gogeta et Janemba. Et je pense que ça va être sacrément bien, parce que 3 multis, ça va être carrément cool. Donc voilà, je parlais avec Arwan, on en parlait beaucoup, parce que j'ai vu tout ça sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter aussi tant qu'on y est. J'ai vu tout ça sur Twitter, qui a vu la mise à jour, sinon j'aurais jamais vu que c'était là et j'aurais jamais eu la vidéo aujourd'hui. Et donc, hop, c'est arrivé pour Freezer. Et donc voilà, je me suis mis et c'est hype et je parlais avec Erwan, apparemment lui il a déjà son... Enfin, lui il a déjà, c'est sûr, son chat SSJ. Donc voilà, dédicace à toi, espèce d'enculé. En vrai c'est que moi j'avais pas fait toutes les quêtes histoires du chapitre 6 et du coup j'étais un petit peu en retard, parce que là on est chapitre 7. Quel dommage, il semble que le gouffre qui nous sépare soit beaucoup trop grand désormais. Oui, mais t'es pas prêt à voir Charlotte SSJ. Moi non plus d'ailleurs, moi non plus, je l'avoue. Ça va casser les mers, il va être trop stylé. Sur l'image, il va être encore plus stylé. Ok, bon maintenant par contre, on va lui apprendre la technique de Goku. Si je peux, normalement je peux. Ça charge. Tup. Parfait, des cristaux. Ok. Ok, jusque là, on va bien. Faudra aussi que je... En fait, là, on est carrément le midi. Je vous rappelle que moi, j'ai cours, même si la plupart d'entre vous êtes en vacances. Et donc, concrètement... Charlotte qui est en train de se faire vaincre. C'est même plus un combat, te moque pas de moi. Ne fais pas comme si tu avais déjà gagné, j'ai pas encore abandonné. Vegeta qui est en mode, what? Moi qui pensais que le désespoir viendrait finalement assombrir cette expression haineuse. Tu n'aurais été qu'un vulgaire singe stupide jusqu'au bout. Arg. Un petit insolent, voilà ce que tu es. Charlotte. Vegeta! Mon dieu, ils ont tué Vegeta. Vegeta! Il va se transformer au niveau d'après, c'est sûr. Comme ça, Charlotte. Parfait. Vas-y. Alors, on va t'apprendre la technique avant ça, parce que... Ouh, tu vas en avoir besoin. Tu vas en avoir besoin, ça c'est clair. Et en plus, regardez ça, on est en train d'un nouvel onglet transformation, ce qui me fait penser qu'on aura sûrement plus que le SSJ, je me demandais ça. On aura sûrement Super Saiyan 2, 3, peut-être légendaire, Blue, God. Honnêtement, je pense qu'on aura beaucoup de trucs. Et je pense que dans certains events, on pourra débloquer peut-être le 4, le légendaire, des trucs qui sont pas nécessaires dans l'histoire techniquement, mais qui sont sympathiques. Je pense, c'est une prédiction, je ne sais pas. Ah mince, je suis pas encore au rang d'amitié 2.
Est-ce que je vais avoir les détails? Non. Je voulais voir à quel rang j'étais. Apparemment, je suis pas trop loin du niveau 2, mais voilà, je ne suis pas encore au bon niveau. Donc Charlotte ne pourra pas apprendre, ça. Et bref, donc comme je vous le disais, oui, je fais ça le midi. Je fais ça le midi avant les cours, parce que moi, voilà, j'ai cours et j'ai contrôle après. Donc, je vais me dépêcher de faire toutes ces vidéos tranquillement, et comme ça, je pourrai aller réviser. Ça peut être utile. Et au pire, je ferai la vidéo d'invocation en rentrant le soir. Ouais, ça, c'est peut-être pas un bon plan, j'arriverai jamais à attendre. Alors, défi, ok, peu importe. Alors, partie 2, oui, c'est ça. Quand on aura terminé ce chapitre, on pourra choisir Charlotte SSJ. Excellent. Vegeta. Oh, mais il est Vegeta détruit. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi m'as-tu protégé? Tu n'es pourtant pas du genre à faire ça. Oui, il s'était calmé pendant un moment. Oh, j'ai vu la fierté des Saiyans en toi. La fierté des Saiyans, dis-tu? Quelle farce, Vegeta. Vous autres Saiyans, vous dites avoir de la fierté, vous qui n'aviez d'autre choix que de vivre à mes pieds. Oui, tu as raison. C'est que les Saiyans de mon entourage avaient choisi de faire. C'est pour ça qu'ils ont disparu. Les Saiyans ont oublié leur fierté pour se battre en ton nom, tels des pantins. Et ça, je n'ai jamais pu leur pardonner. La fierté des Saiyans n'était pas censée se faire piétiner ainsi. Charlotte, toi, tu es un Saiyan, tel que nous l'étions tous avant d'oublier notre nature. Normal, c'est un Saiyan du passé. Alors pas toi pour notre fierté. Terrace Freezer, toi, en tant que Saiyan. Bref. Il a enfin rendu l'âme. Quel discours d'adieu pitoyable avec sa fierté de je ne sais pas quoi. Demandez à ce gamin de me vaincre. Quelle blague. Oui, étrangement calme. La peur de la mort a dû le rendre fou. Personne ne peut me vaincre. Quelle fin misérable. Il est beaucoup trop calme. Une fois en combat, tu n'as pas intérêt à montrer la moindre hésitation si tu n'as pas envie d'y laisser ta peau. Autrement, tu ne pourras pas remplir ton objectif, ni préserver ton honneur, ni quoi que ce soit. Je comprends maintenant, Vegeta. Tu t'es battu pendant tout ce temps. Même lorsque tu étais sous les ordres de Freezer, tu te battais pour préserver notre honneur. Tu veux dire qu'il a rampé devant moi et comploté dans mon dos pour ça? Tu parles d'un honneur? Ferme-la! Au final, c'est là que tout votre soi-disant fierté. C'est là que tout. Ouais. Ferme-la! Et si tu redescendais un peu sur Terre pour t'inquiéter de ton propre sort? Ferme-la! Oui! Oh là 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 là! Oh! Ça part en screen! Ça part en screen, j'ai dit. Parfait. Pas plus, stop! Comment? Tu ne sais rien sur Vegeta! Ouh, Nappa et Vegeta sont morts, c'est vrai. Je pense que du coup, le prochain Vegeta que Charlotte va rencontrer, ce sera un Vegeta Saga Cyborg. Ah, dommage. Moi, je me disais, ce serait cool de voir une évolution de Vegeta, mais qui n'a pas rencontré Goku et tout, genre un Vegeta un peu annexe. Je me disais que ça pourrait être cool. Et puis pareil pour Nappa, genre on aurait eu un Nappa Super Saiyan. Mais bon. Tu ne sais rien de nous, qu'est-ce que c'est que cette apparence? Les Saiyans ne peuvent pourtant pas se transformer qu'en... ne peuvent pourtant se transformer qu'en gorille. Impossible, tu es... Blablabla, j'ai raté une phrase. Je vais laver l'honneur de Vegeta et celui de tous les Saiyans. Ne te moque pas de moi, hein, ma caca comme toi ne peut. Même si tu es vraiment ce super Saiyan. Il y a de questions que je perde contre un être de ton espèce. Ne sous-estime pas les Saiyans, Freezer. Oui. Moi je le sous-estime pas. Ça je peux te le garantir, mon petit Charlotte. Du coup t'es transformé, j'espère. Je peux prendre que Charlotte. Comme toi, heureusement que je l'ai pris. Oh du coup il va se... Oh je pense qu'il va se transformer en combat du coup. Je suis sûr qu'il va se transformer en combat. Ah, c'est peut-être le cas. Peut-être qu'en fait, le système de transformation, je pensais qu'il serait transformé de base. Peut-être que le système de transformation fait qu'il se transforme pendant le combat. Ça serait cool aussi, ça serait très cool. Surtout que, si vous avez regardé mes plus vieilles vidéos Legends, je crois que c'était Legends. Non, j'avais parlé sur Anime Cross Roblox, je crois. Où j'avais dit que un jour, ça serait ouf s'il y avait un système de transformation dans Legends. Eh bien, on l'a, ce système de transformation, je crois. J'aurais eu raison. Si c'est le cas, du moins. Au final, c'est là que tout... Attends, vous l'avez déjà dit, ça. Vous l'avez déjà dit. Ah, d'accord, donc là, c'est... Oh, c'est la cinématique qu'on a eu tout à l'heure, mais dans le jeu. Ok, ça rend classe. Je détruis ici et maintenant, de mes propres mains, en tant que Saiyan. Je vais blablabla. On l'a déjà vu, tout ça. What? Il a plusieurs barres de vie, c'est un boss de raid, quoi, le Freezer. Putain, ce Saiyan... J'aime pas tellement la couleur des cheveux. À part ça, en plus, la queue a changé de couleur. Ça dépend. Dans certains jeux, la queue ne change pas de couleur. Dans certains jeux, la queue change de couleur, ça dépend. Mais moi ça me fait plaisir. Oh là 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 là. Bon ça y est, mon Charlotte n'est pas niveau max, mais ça ira je pense. Surtout qu'il est super CN, je pense que c'est un power-up qui normalement doit pas durer éternellement, je sais pas en vrai. On va voir ça après. Oui. C'est ma petite attaque. Et bam, on claque le boost, même si c'est censé heal, voilà, on claque le boost quand même. Oh bah il fait aucun dégât, bah dis donc Frizouille. Mais que fais-tu? Il est nul.
Mais il est nul. Mais il est nul. Oh, et ça me fait régénérer tout mon ki aussi. Bah oui, tant qu'on y est. Pourquoi pas. Ok, Freezer. Oh, Alida. Pause. Ah, il y a une pause. Ah, d'accord, c'est en deux phases. Ah, c'est qu'il lui aussi, power up. Ok, ok. Donc là, je faisais le malin, mais c'est qu'il était pas à fond. Sauf que pas de bol pour toi, Freezer. J'ai l'enchaînement dévastateur. En avant, Charlotte. Oh. Oh là, voilà, voilà. Oh, t'es tellement, tellement mort. J'ai pas encore la technique de Goku, j'ai pas encore le Kamehameha, mais ça ira. Non, mais si en plus, je lui fais des prises de catch. Et bam. Oh, Alida, Freeza. C'est terminé. Wouh. La hype. Oh, et cette pause de fin. Enfin, depuis le temps qu'on l'attendait, le Charlotte Super Saiyan. Depuis le temps qu'on se le faisait tease aussi. Ah là là, ça va tellement être la hype les invocations de tout à l'heure. Tout à l'heure de... Oui, si, tout à l'heure aussi, parce que ça sort le même jour. Et bam, voilà. Pouf, 300 Z pouvoir. Et du coup, il y a 2 étoiles, ok. Mon shot passe 2 étoiles. Très bien, j'aurais aimé qu'il soit 3 étoiles, mais on fera avec. Ah non, il est 3 étoiles, je crois. Ah non, ok. Je me suis trompé. Ok. Et bah voilà, c'était cool. Bon, j'ai pas fait le premier défi, je sais pas. Je crois que c'était mettre une attaque en premier. On fera ça un autre jour. Impossible, totalement impossible. Tu n'es pourtant qu'un simple Saiyan. Un simple Saiyan. Bon, tu te trompes, je suis sûr que tu le sais. Cette force est celle d'un super Saiyan. Brah. Je vois qu'il semblerait que tu sois bel et bien un super Saiyan. Je pensais que cette légende était... Pourquoi un gars comme toi peut-il être super Saiyan? C'est une blague. C'est une bien mauvaise blague, bon sang. C'est pourtant impossible, ça doit être un mauvais rêve. Je suis le grand Freezer. Arrête de pleurer et viens te battre. N'essaie même pas de t'excuser car c'est trop tard. Ok, bon après on va avoir du Freezer classique, hein, combat. Est-ce qu'il va y avoir la suite? Est-ce que la suite serait pas pour la prochaine mise à jour? C'est très possible. Non, la suite est pour tout de suite. Nouvelle transformation, mais justement j'y allais. T'inquiète pas Legends, t'inquiète pas. Comment Charlotte s'est finalement transformée en Super Saiyan? Ça veut dire que tu peux paramétrer cette transformation, bref. Donc là on peut choisir... Oh, effectivement. Ceci, sa capacité principale se transformera en Super Saiyan. Oh oui, on va obtenir une nouvelle transformation, c'est vrai. En même temps, c'était sûr, mais... Ok, apparemment, chaque transformation est différente. Ok, cool. Donc là, concrètement, de base, Charlotte ressemble à ça. En Super Saiyan, pouf! Avec les cheveux un peu plus piquants. Ok, en Super Saiyan 2, ça va être hype. Il a une tête beaucoup plus vénère. Alors là, il est cool, et là, bam! Affichage des illustrations, tant qu'on y est. Oh là là, regardez-moi ça. Ah oui, avec la transformation derrière et tout, est-ce qu'on peut... Non, je me disais peut-être qu'on pourrait le voir se transformer directement depuis la carte, mais non, on peut pas faire ça. Ok. Vue d'ensemble, ok. Détail, attendez, est-ce qu'on peut le... Non. Ok, mais concrètement, voilà, de ce que je vois, chaque transformation sera différente du coup. Ok, cool, chaque transformation aura un style de combat différent. Plus les transformations, enfin plus les techniques qu'on va pouvoir custom, c'est très cool. Moi je suis hype par ce shallot. Ok, et eh bien écoutez, c'est tout pour cette fois. Moi je vais partir faire les invocations tout de suite et je vous dis à plus du coup et à la prochaine. Désolé, au revoir. Pouf.